here was built in three different centuries, 16, 15, and 14. You can see the different art of stone under the bridge. On peut voir la différence de pierre en dessous du pont, 16, 15, 14, 16, 15, and 14th century. And straight before us we have the Bonifacius Bridge, 1910. A very young bridge, we call her also the Marriott Bridge. Young married people, they come on that bridge to make some pictures. You know when you've been married, it's game over. It's finished with a good life, eh? From then on we have rules, where is my wife, eh? Ici, le pont Boniface, 1910, très jeune. On l'appelle aussi le pont de mariage. Le jeune marié vient ici pour prendre une photo. On sait quand on est marié, on est plus libre de faire ce qu'on veut, hein? Il y a des règles, où est ma femme, hein? Where is my wife? Hein? On the left side, we have some private houses built between 17th and 19th century. Des maisons privées construites entre le 17 et le 19e siècle, ici à gauche, on the left side here. Here, behind the bridge on the right side, we have the old hospital of St. John from 1188. Not going to be used since 1976. Inside, we have the Hans Memling Museum. Hans Memling was a German painter. There is also an old pharmacy that you can visit from the 16th century. Alors ici à droite, le vieux hôpital de Saint-Jean, ça date de 1188. C'est plus un hôpital depuis 1973. Il y a encore le musée Hans Memling, ainsi une vieille pharmacie à visiter du 16e siècle. Ici à droite, il y a un peu de sort. And on the left side, we're going to see the lowest bridge in town. Attention for your heads. When you see the captain without hair, you know what's happened. It was the bridge, huh? Ici à gauche, le pont le plus bas de la ville. Faites attention pour la tête. Quand vous voyez un capitaine sans cheveux, vous savez ce qui s'est passé. C'était le pont. When you see the captain without hair, you know what's happened to the bridge. You see, I have all my hair. J'ai tous mes cheveux, no problem. La puente est la más bajos de brujas. Attention la cabeza. The bridge here is one of the most romantic places of Bruges, huh? You need a boat, this bridge, a nice woman, and a few bottles of champagne. Very romantic here. Très romantique ici, hein? On a que besoin, pont, bateau, quelques bouteilles de champagne, une belle femme. Nice view, hein? Très belle vue. Side, we have the entrance of the Beguinage Convent, instituted by Margaret of Constantinople. She was the Countess of Flanders, inside Benedictine's sister. Alors ici à droite, le Beguinage fondé par Margaret, par Margaret de Constantinople, elle était la comtesse des Flandres en 1246. Il y a encore les sœurs bénédictines de
the Benedictine sisters in the convent. And here on the underside of the bridge, we have the Lake of Lur, and the level of the water of the lake is 1 meter higher than here. So the lug gates under the bridge confirm the level. The lug gates, they are here from the 16th century. Alors ici, de l'autre côté du pont, il y a le lac d'Amour. Et le niveau du lac à l'autre côté, elle est un mètre plus haut qu'ici, comme ça, les écluses en dessous du pont, ils règlent le niveau. Hein? Les écluses sont déjà là depuis le 16e. Hein? We have 150 swans, 150 cygnes. On a aussi 300 des canards and 300 ducks. And what do you think we have for dinner tonight? Duck with orange sauce. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? La communication. In the 19th century, we had the new rich people, and they wanted nobody knows that they were rich. So they changed all the glasswork again in normal glass. So this is one of the last with a crystal ball. But in the old times, many houses with crystal glass. And here they are, Rosary Cay, one of the most beautiful places in the city. The key to Rosary Cay, the key to the ville. Ici, tout droit devant nous, la maison de la corporation, les tanneurs, 1630. Straight before us, the Guild House, Corporation of the Tanners, 1630. Don't look that guy. Here, it's the building. And here on the left side, the Belfry Tower, 83 meters high, 366 steps. To climb up, 47 bells in the tower, and the whole carrion weighs 27 tons. You see, she leans a little bit over to the right side. There is a difference about almost 1 meter or 3 feet. On peut voir qu'elle va un tout petit peu à droite. Il y a une différence d'environ 1 mètre. 1 meter, 3 feet. Here on the left side here. The palace of justice, 17th century. Le vieux palais de justice, 17e siècle, ici à gauche. So here, the main bridge, the oldest bridge in town, 1390. The Pont Hydromel, le plus vieux pont de la ville, 1390. So here on the right side, here we have the almshouses of the Pelican, small dwellings. The rich people, they give it to the poor people to live in it completely for free, 1634. But the rich people, they were not so generous. They did it only when they were thinking, when we do something good in our lifetime, then later we have a free ticket for the paradise, maybe. Ici, les maisons de Dieu du Pélican, des maisons que les riches donnaient aux pauvres pour habiter dedans gratuitement, 1634. Et
les riches, ils étaient pas si généreux. Ils faisaient ça parce qu'ils pensaient, quand on fait quelque chose de bien pendant la vie, plus tard, on va aller gratuitement au paradis. Hein. And here on the left side, you're going to see some houses with step tables, Flemish Gothic style. On peut voir des maisons avec des escaliers, c'est du Gothic flamande. On peut les trouver d'Amsterdam jusqu'à Lille en France. You can find them from Amsterdam to Lille in France. You can find them also in England. There is a place called Sandwich by Kent. There was a cotton factory, and many Flemish worked there in the cotton and built their houses with step tables. Au-dessus de la porte, c'était pour tenir les fantômes d'or de leur maison du 17e siècle. And then you see the nice heads up to the windows. It was to tell the ghosts, go by the neighbors. We are very decent people here. Hoe is het, lieve schat? Goed. We zien op werk heen. Dat is goed, hé. Hey, alles goed. Voilà, ici à droite, on peut voir la tête très agressive. C'était pour tenir les fantômes d'or de leur maison du 17e siècle. Et alors on peut voir les têtes très gentilles, c'était pour dire aux fantômes d'aller chez les voisins, on est des gens très respectables. Encore une fois la même chose, hein, the same story, you can. And on the right corner, they met to complete the nun's story with Audrey Hepburn in 1958. Audrey Hepburn was born in Brussels, her mother was a Dutch baroness, her father was an English woman, big career in America. Ici on a tourné le film au risque de se perdre avec Audrey Hepburn. Elle était née à Bruxelles, sa mère était une baroness néerlandaise, son père en anglais. Elle avait une grande carrière en Amérique. And here from corner to corner, you can see seven houses. You don't have to count them, I count them more than 35 years, and nothing has changed here. So the seven houses, they were built in seven different styles. In the middle we have the neo-Gothic, the little one is Flemish Gothic, the second one is the clock style, a style that you find much more in the Netherlands. On a sept maisons, et les sept maisons sont construites en sept différents styles. Au milieu, le néo-Gothic, le petit en Gothic flamande, le deuxième en style de clock, un style qu'on peut retrouver beaucoup plus en Hollande, en Irlande. And here on the right side, it was a convent of the Fathers of Saint-Omer, after that the British Consulate, and now it is a basic school. C'était un couvent des Pères Saint-Omer après le consulat britannique, et maintenant c'est une école élémentaire. And here, straight before us, the Burgers' Lodge. It was a meeting place of all the free merchants. In the middle, Jan van Eyck, Flemish primitive painter. Alors ici devant nous, les loges des bourgeois, lorsque tous les marchands libres venaient ensemble pour faire la commerce, au milieu la statue de Jan van Eyck, le peintre primitif flamande, the Flemish primitive painter, Jan van Eyck. So between 14th and 17th century, we had 150 boats coming to Bruges with merchandise. Many boats with textiles, but also with spices. And pepper was in that time more expensive than gold.
On avait 150 bateaux par jour qui venaient ici à Bruges avec de la marchandise. Beaucoup de bateaux avec du textile, mais aussi avec des épices. Et le poivre, il était plus cher que l'or. The pepper was more expensive than gold. So here on the right side, a very nice little tea house, but I can tell you we have more than 1,600 different Belgian beers. There is nobody who wants tea. You see, it's empty. Oh, empty. Une très belle maison de thé, mais on a 1,600 différentes bières belges. Comme ça, il n'y a personne qui boit du thé. On aime la bière, monsieur. We like the beers. Is completely normal. Ici on peut voir la cathédrale, au prochain pont elle est partie. And on the left side here we have the Fishmore 1821 Empire style.
everyday fish pot, not them selling nothing. You see, I go to the machine of the machine for sale. 1821, sous l'Empire, tous les jours, il y a du marché, sauf lundi, manger le lundi. Et après le pont, ici à droite, il y a l'hôtel de Nice, avec une très belle salle de vie, premier étage. Behind the bridge, we have the town hall with a very beautiful Gothic room on the first floor. But here on the right side, on the rain pipe, you can see the dragon heads. It was also to keep the ghosts out of their houses. On peut voir la tête de dragon, c'était aussi pour tenir les fantômes lors de leur maison du 17e siècle. And here, you see the barlow, les loges de bourgeois. Ici, on peut voir l'hôtel avec la façade en bois. C'est là qu'on a tourné le film avant le baiser de Bruges avec Colin Farrell. C'est ici qu'il est sauté à l'eau. Je l'ai vu sauter plusieurs fois, mais dans le film, on peut le voir une fois. So here they met the movie in Bruges with Colin Farrell and Brendan Gleeson, the two Irish. It was here he jumped out the window in the water. I saw him jumping many times, but in the movie you can see it only once. So ladies and gentlemen, here we are, almost on the end of our trip. I hope you enjoyed it. I wish you for another very nice and a pleasant stay in our town Bruges. I hope you're satisfied about the tour, also the commentary in English. And if you're satisfied about it, maybe a tip for the captain, your guide. We thank you very much for that, and we appreciate it. Thank you. Voilà, mesdames et messieurs, ici nous sommes à la fin de notre promenade. J'espère que c'était agréable et je vous souhaite encore une bonne journée chez nous, ici à Bruges. J'espère que vous êtes satisfait du tout. Ainsi du commentaire en français. Et quand vous êtes satisfait, n'oubliez pas les guides. Un petit pouvoir pour le capitaine est toujours agréable. On vous dit merci beaucoup. Thank you very much. And muchas gracias for everybody. And obrigado. Italians, grazie mille.